Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, je ressors d'une séance de fractionné suivie d'une séance leg day au poids de corps. Et je peux te dire que je me suis bien donné au niveau des travails des jambes, mais aujourd'hui, là n'est pas le sujet. Je vais te parler plutôt de la récupération. Il y a beaucoup de personnes, d'abonnés, de clients qui me posent la question, combien de temps est-ce qu'ils doivent laisser reposer entre les séances de sport? Même si la théorie dit qu'il faut laisser au moins un jour de repos ou deux avant de reprendre l'entraînement sur le même groupe musculaire, eh bien il faut faire la part des choses entre la théorie et la pratique parce que ce n'est pas du tout la même chose. Nous sommes tous différents, nous avons des muscles différents et nous avons une capacité de récupération qui est également différente. Moi, j'ai envie de préciser quelque chose qui me semble tout simplement logique, c'est de pouvoir te réentraîner une fois que le corps te permet de te réentraîner, dans le sens où si tes courbatures ont disparu ou en tout cas ont beaucoup disparu pour que tu puisses t'entraîner correctement lors de ta prochaine session, c'est à ce moment-là le moment idéal pour reprendre ton activité physique. Sauf exception faite, je l'avais déjà expliqué dans un live, quand tu es un vrai débutant, que tu as des courbatures et que tu n'arrives vraiment pas à avoir une bonne connexion cerveau-muscle parce que tu n'arrives pas à bien contracter tes muscles pour qu'ils puissent, pour que tu puisses bien sentir la contraction musculaire, dans ce cas précis, travailler par-dessus des courbatures qui restent raisonnables, ça peut être aussi une bonne solution pour que tu puisses apprendre, on va dire, à assurer, justement, rassurer le cerveau pour qu'il ait bien envoyé le bon message au bon endroit, au bon muscle. Mais ça encore, c'est un cas particulier et ce n'est pas forcément obligatoire. Je peux le conseiller à des débutants qui ont vraiment une mauvaise proprioception, une mauvaise connaissance de leur corps pour que tu puisses éduquer ton cerveau à ce qu'ils se disent « Ok, il a envoyé le bon message au bon endroit » comme je l'ai dit tout à l'heure. Encore une fois, raisonnablement, avec des courbatures qui restent supportables, sinon ça ne sert à rien non plus. Hormis ça, eh bien moi, par exemple, tu vois, j'ai fait une séance de leg day aujourd'hui. Je sais que là, je vais avoir très très mal parce que je me suis vraiment bien donné des squat jumps, de la pliométrie, tout ça sur une chaise et tout. Bref, et il m'est arrivé d'avoir parfois 5, voire même 6 jours de repos avant de pouvoir reprendre sur les cuisses parce que j'ai tellement donné que mes cuisses et mon popotin et l'arrière de mes jambes, ils sont courbaturés de fou. D'ailleurs, une précision, j'ai eu un client qui m'avait dit qu'en squat, eh bien, on ne travaillait pas les ischios jambiers. Moi, je peux te dire que si je contracte à mort, moi, les ischios jambiers pendant le mouvement squat et que j'insiste pendant la phase de flexion, en tout cas, moi, personnellement, j'arrive à ressentir énormément la contraction de mes cuisses, mais également de l'arrière de mes cuisses. Tout dépend également de comment est-ce que tu conçois ta contraction, la contraction volontaire, mon ami. Souviens-toi, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est des bullshit et tout ça, mais moi, je crois fortement justement à cette capacité, cette optimisation de contraction. D'ailleurs, j'ai trouvé même une étude scientifique qui démontre l'efficacité de la contraction volontaire pour avoir de meilleurs résultats. Alors, dans l'étude en question, ça a été démontré que c'est efficace jusqu'à un certain poids. Mais jusqu'à un certain poids qui reste quand même assez élevé. Je crois qu'il me semble que c'est 80% de ta force maximale. Ça reste quand même, il y a quand même une bonne marge de travail pour optimiser l'utilisation de la contraction volontaire. L'étude en question est bien sûr dans le descriptif de ma vidéo. Voilà en tout cas, qu'est-ce que je voulais te dire aujourd'hui concernant les jours de repos. Eh bien, laisse espacer autant de temps qu'il le faut pour que tu puisses retravailler correctement. N'aie pas peur d'avoir même 5-6 jours de repos. Alors évidemment, ne laisse pas la flemme prendre le dessus. Ne laisse pas reposer parce que tu as la flemme de pouvoir retravailler dessus. Non, c'est par rapport à tes courbatures, bien évidemment. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Toi, partage ton expérience dans la barre des commentaires. Dis-toi quand est-ce que tu reprends ta séance de sport. Combien de temps est-ce que tu laisses reposer par rapport à ton cas spécifique. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.